Cet après-midi, l'Éternel qui a rendu possible cette rencontre, nous allons lui retourner toute la gloire en recommandant également le déroulement de toutes choses entre ses saintes mains. Élevons nos voix, prions ensemble. Père de grâce, nous disons merci pour ta fidélité, nous disons merci pour ta grâce, nous disons merci pour ton amour, nous disons merci. Dieu, pour la fidélité, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu fidèle, toi qui nous as encore réunis cet après-midi, éternel Dieu. Père, nous te reconnaissons toute la gloire, nous recommandons, éternel Dieu des armées, cette rencontre, tout ce qui va se dérouler en ce lien entre nous-mêmes, commence avec nous, comme, ô éternel Dieu, Alpha, éternel, chemine avec nous, comme Emmanuel, éternel, comme, ô éternel Dieu, la fin de toutes choses, pour que la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Éternel, que toute la gloire te soit encore retournée. Nous recommandons tous les intervenants de ce jour, nous recommandons l'auditoire tout entière, nous recommandons tout ce qui va se passer et se dérouler en ce lieu entre tes saintes mains. Commence avec nous, chemine avec nous et termine avec nous dans ta grâce. Et nous allons te retourner toute la gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Debout, courez, une, deux. Debout, courez, unis par le sang, unis par le sang. Et pour les bons, prenons le privé, les lois, dans la paix, au peuple.
Christ, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel. Et nous commençons directement, sans plus tarder. Nous allons présenter d'abord les membres de certaines sections qui sont au milieu de nous. Je présente. Le président Martin, il est celui qui conduit la délégation de la section Jeunesse de XAF, Jeunesse de Sud. Nous avons la section des prétoriales qui est représentée par son vice-président. Nous avons la section de Radbeck qui, pour la circonstance, je vais appeler à son vice-président, M. Maître Lebou, M. Moïse Moutonou. Merci beaucoup. Il devait avoir nos amis des bras, je ne sais pas s'ils sont arrivés. C'est un problème. Ils vont entrer le moment. Donc nous passons à autre chose. Et nous profitons aussi pour vous présenter la Ligue de jeunes qui est représentée ici par M. Quintin. La Ligue des femmes, mon pays est encore occupé. Moi, encore, l'Orient n'est pas là. Donc, nous passons à autre chose. Je vais en profiter pour vous présenter maintenant celui qui va, en bref, nous introduire et puis nous présenter, s'il vous plaît, les comités sectionnels de Johannesburg. Donc, je vous présente son président qui est M. Adolphe Kinoumbe. Il est à l'honneur pour vous présenter les membres du comité sectionnel de Johannesburg. Merci à vous. Qui de plus, viva! Viva! Qui de plus, viva! Viva! Qui de plus, viva! 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 Et bien, c'est fini! Je vous remercie, mes chers compatriotes, frères et sœurs, papa et maman, présents dans cette salle pour non seulement les jours de la commémoration de l'indépendance de notre pays, mais c'est un jour aussi significatif pour notre parti qui a tant lutté, qui a versé le sang, qui a vu ses enfants, ses membres perdre la vie pour normalement interpréter la vraie signification de notre hymne national. C'est-à-dire les Congolais restant debout. Et le parti que nous représentons, aujourd'hui et le parti qui nous fait unir aujourd'hui, son nom n'est pas à cacher, celui des PES, qui signifie d'abord l'union et en plus bien la démocratie et le progrès social. Et
avec l'honneur et surtout avec ce que vous me permettez pendant cette soirée. Je voulais juste présenter le membre qui va constituer cette section de Johannesburg, qui est une des branches de la Fédération de l'Afrique du Sud et Australie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien sûr, on m'a présenté. Bien sûr, je suis l'un de vous. Moi, je m'appelle, on m'appelle Adolphe Kinombe Lanu Tchonga. Je suis le président sectionnaire de Johannesburg. Et ceux qui vont constituer les articulations de ces comités. Nous avons 4 vice-présidents avec différentes tâches, différentes charges. Il y a le vice-président en charge de la sécurité et de l'intérieur. Il s'est excusé, il n'est pas parmi nous. C'est Patrick Malintessé. Et il y a le vice-président en charge des finances, c'est André Montou. Il est en route, c'est excusé, peut-être que vous le verrez dans ma langue. André Montou, oui. Docteur André Montou, il est le vice-président en charge des finances, il peut se tenir le coup ici. Nous avons le vice-président en charge de l'organisation et des relations avec l'extérieur, M. Didier Fomba. Il est en route. Et le 4e vice-président en charge des plans et mobilisation, M. José Mapela. Nous avons le secrétaire sectionnel, Monsieur Docteur Daniel Kalema. Nous avons un secrétaire rapporteur, c'est Monsieur Pajo Katamboy. Nous avons aussi les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints. On doit commencer à énumérer M. Yves Babillet. Nous avons M. Guy Mata. Nous avons M. René Lutanda. Nous avons M. Serge Kadima. Nous avons M. Alain Placide de Kawema. Et ensuite, nous avons M. Kali Tele. Et nous avons aussi le service de la trésorerie. Les trésoriers sectionnaires s'appellent Monsieur Jojo Tshisekedi. Il sera assisté par Monsieur Célestin Kalonji. Il s'est excusé, il n'est pas encore là. Et nous avons aussi l'équipe de la Ligue des Jeunes. L'équipe de la Ligue des Jeunes est présidée par Monsieur Patrick Kachala. Nous avons Monsieur Poupon Kipeni. Nous avons Monsieur Alexis Moloka. Nous avons Alain Kazadi.
Nous avons marqué le pili. Je pense qu'ils sont mariés. Et parmi nous, il y a aussi le conseil des sages. Comme dans tout mouvement, on a toujours besoin des aînés, des sages, pour bien conduire un groupe. Nous avons la personne de M. Professeur Gilbert Kongolo. Donc vous allez vraiment sentir que nous sommes dans l'art. C'est-à-dire nous avons des représentants qui sont à la fédération aussi. Et du sectionnaire du DPC Johannesburg. Avec votre permission, ce sont les gens avec qui vous vivez, ils sont avec vous, ils ont leur faiblesse, ils ont aussi leur force. Je vous prierai vraiment de les aider à, sur leur faiblesse pour que nous puissions aller avant. Je pense que M. le Président, je vous remercie et c'était vraiment ce que j'avais à présenter pour vous. Merci beaucoup. Si on peut encore applaudir très fort pour ce moment. Et j'appelle le pasteur David Malabar de remettre cette équipe entre le nom de Dieu, afin que l'esprit de Dieu puisse les conduire, c'est ce qu'ils vont être de leader, et de leader dont ces hommes-là ont été créés par Dieu. Merci. Dieu le Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Tu es le premier politicien, car tu es appelé le roi de roi, et c'est que tu veux gouverner et tu gouvernes l'univers, l'humanité entière. Et ce qui s'est fait, Seigneur, c'est seulement une leçon que nous avons apprise de toi, de gouverner le peuple, de diriger, d'organiser, de structurer, d'agencer le travail, de centraliser et décentraliser le travail. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, nous faire grâce. Nous voulons une nouvelle nation congolaise, avec, Seigneur, de nouvelles têtes, de nouveaux dons et de nouvelles, Seigneur, initiatives. Les voici, ils sont là. Ce n'est pas facile de servir le peuple. Il y a beaucoup, il y a des diversités de pensées, de philosophies, Seigneur. Père, nous te commandons nos frères, nos amis, nos compatriotes entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur, que nous travaillions avec toi, Seigneur, pour bien gouverner. On doit, Seigneur, oh Dieu, suivre tes pas. Que tu puisses les outiller, les Père de grâce, de l'intelligence, la sagesse, comme tu l'avais fait avec Salomon, pour qu'il soit un vrai politicien, fait de main avec eux. Que le Saint-Esprit puisse les diriger, Seigneur, puisse les fortifier et enlever à nous notre faiblesse, Seigneur, qui peut nous empêcher à nous servir, nous le peuple. Père de grâce, que tu puisses les aider avec l'onction politique, l'onction de la gouvernance pour qu'ils puissent bien assumer le travail. Béni sois-tu, Père de grâce, que tu les protèges, que tu puisses bénir tout chacun. Merci, Père de bonté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je demande aux membres de la section gentiment s'il te plaît de leur place. Pendant que nous rentrons, nous acclamons. Merci. Je suis vraiment fier. Donc, vous êtes vraiment chez nous ici. Donc, je commence par le président Martin. Tu peux dire un mot.
Merci. Bonsoir, bonsoir. Qui dépêche vivant. Viva. Qui dépêche vivant. Viva. Qui dépêche vivant. Viva. 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 Et je tiens si je te dis, et le roi national, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le peuple d'abord, il ne l'a créé. C'est tout ça. C'est ce que j'entends bien. Nous vous disons merci. Nous sommes vraiment ravis de votre présence. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, c'est un jour que nous tous, nous sommes en train de nous réjouir de ce grand travail qui a été bâti par des gens qui ne sont pas peut-être avec nous. Mais le Seigneur a fait qu'aujourd'hui, que nous puissions parler de ça. Nous parlons de l'indépendance. Nous vous disons merci. Et nous disons aussi merci à ceux-là qui ont payé leur vie à cause de cette journée. Ce n'était pas facile. Je pense qu'ils ont laissé leur famille, mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de bénéficier à ce jour aussi. Ce n'est pas pour rien quelque part. Ils ont dit au tête de la Kema Fumbe. Il y a quelqu'un qui a compris ça? Au tête de la Kema Fumbe. C'est-à-dire, moi je ne dis pas seulement les tétés là ne sont pas esclaves. Mais je dis un Congolais n'est pas esclave. Et je pense bien que ça sera difficile d'expliquer à nos enfants qui verront les jours après 2030, si le Seigneur le permet, si le Seigneur tarde encore à venir, en 2030, ça sera difficile qu'on puisse expliquer à ces enfants-là qu'est-ce que l'indépendance. Et pourquoi je dis cela? Parce que l'indépendance qui ne marche pas avec la démocratie, ce n'est pas l'indépendance. Et aujourd'hui, merci pour cela, et nous demandons à tout Congolais qui a besoin que les Congo puissent aller de l'avant, qu'ils puissent marcher dans les pas de l'avant, que Dieu vous bénisse. Et c'est comme il a dit là, le peuple congolais n'est pas esclave. Mais ne restons pas aussi esclaves dans nos mentalités. C'est là où notre héros national a dit la première des choses, c'est le changement de mentalité. Le changement de mentalité en soi aussi, c'est toute une indépendance. Il faut vous libérer de tous les démons du passé. De tous les démons du passé. Pour ceux qui ont suivi l'interview, on profite pour rappeler à l'audience quelque chose de très profond. C'est passé le dimanche passé chez nous au Congo. Le chef de l'État a amené dans ses prérogatives sur le plan divin toutes les nations, la nation avec lui, l'a présenté cette nation devant l'Éternel très haut. C'est quelque chose de très profond. Et c'est là que vous allez remarquer que nous, dans tout ce que nous allons commencer à faire, si vous n'implorez pas Dieu dans tout ce que vous voulez faire pour le Congo, vous risquez de vous dédier à quelque chose que vous ne pouvez même pas expliquer. Malgré votre intelligence et votre savoir-faire, vous allez vous prouver que non, mais on ne sait même pas expliquer pourquoi on a perdu ça, pourquoi on n'a pas gagné ça. Je crois que non, l'exemple typique est avec notre équipe de football qui joue quelque part à l'Afrique pour le moment. Pendant tous les jours qui ont passé, ce n'est pas un secret pour chacun. Il y a un nom qui a été cité dans les bouches des Congolais. Les Congolais ont écrit de ce nom-là un peu partout. Alors que le chef de l'État avait déjà mené la nation devant l'Éternel,
Mais les gens ont continué à dire que non, mort, mort, on est venu. Mort, mort, après les gens laquelle les gens d'Égypte, c'était sur la bouche de presque tous les Congolais. Nous, on a échangé des messages sur WhatsApp, Facebook, parlant de mort, mort. Résultat, nous soyons surpris, bien encore. Mais Égyptien, tu as dit que non, selon la Bible, que notre commun a parlé de sous-souter, tout le monde a parlé de continuer à dire que pour bon s'attaquer que non, la nation est déjà la nation de Jésus-Christ. Le Congo est déjà le Congo de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Cela nous amène à dire que non, on l'a dit, le message de sa campagne c'était seulement l'amour. Peuple congolais, aimez-vous les uns les autres et aimez le Congo. C'était encore très profond. Aimons-nous les uns et les autres. Membre de l'UDPS, un mot dans la salle et pourquoi pas dans le monde. Donc nous pouvons le faire d'abord par l'amour de tout moment, par l'amour de parti, de tous ceux qui ont le parti et de notre président. Donc c'est ce que je voulais parler. Je vais appeler. Bonsoir chers camarades. Bonsoir. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Et Dieu qui se dédie, le débat national, Félix qui se dédie, président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Président, pour m'avoir donné la parole. Je me tiens debout ici au nom de mon président, Jean-Claude, le président sectionnaire de la section Pretoria qui n'est pas présent ici, qui s'est excusé. Ils sont venus avec toute une équipe pour représenter la section Pretoria ici pendant cette case à l'unité. Le président m'a donné juste deux mots concernant la commémoration de notre indépendance, quand le Congo accédait à l'indépendance, il m'a juste dit que de rappeler à tous les compatriotes qui sont ici que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes un peuple libéré. Et il y a eu un prix qui a été payé pour que le Congo soit libéré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a perdu son sang. Il y a quelqu'un qui a été flagellé pour que le pays soit libéré aujourd'hui. Et ce peuple qui n'est pas là, c'est ton frère qui est mort. Et aujourd'hui, s'il te réjouit de la liberté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et parmi les gens qui ont payé le prix, notre héros national, le docteur Étienne Tshisekedi, faisait partie. Et nous, enfants de Tshisekedi, nous, les héritiers de Tshisekedi, nous sommes là pour proclamer que nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Il y a un adage en Swahili qui dit que, je vais le dire en Swahili, Uhuru Ucha Komateso. Cela veut dire que la liberté vient de la souffrance. Tu ne peux jamais dire que tu es libre si tu n'as pas traversé les moments difficiles. Aujourd'hui, nous sommes un peuple libre. Le président Kempes vient de le dire, le dimanche passé, le président a... Vous avez le soutien de la section Pretoria. Nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler mutuellement. Nous allons nous entraider. Votre problème, c'est notre problème. Votre souci, c'est notre souci. Votre victoire, c'est la victoire du parti. L'UDPS, qui est un parti social. L'UDPS viva. Viva. L'UDPS viva. Viva. Je m'en fais déjà aborder le point. Je trouve vraiment cher et important
à partager avec vous. Pour ceux qui m'ont connu dans les activités dans notre communauté ici, j'ai beaucoup excellé dans la société civile. En même temps, j'ai cheminé à côté d'un groupe qui a été si capital dans la démarche de l'UDPS Afrique du Sud. Je parle de la base que j'ai, à laquelle j'ai été vraiment associé jusque à ce jour. Mais aujourd'hui, je voulais parler de deux aspects. La société civile et de la personne du président Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus avec son père, nous sommes avec lui en esprit. Et nous avons maintenant à la tête du pays son fils qui nous a amenés dans une démarche que nous devons vraiment comprendre pour que nous puissions participer à ce succès, participer à l'accomplissement de sa vision. Alors, je vais pour ça prendre une expression qui est un peu spirituelle. Je ne suis pas un pasteur, mais ça a été une inspiration que nous avions avec notre organisation de la société civile, que je pense qui se réalise un peu dans ce que nous voyons faire le président Félix Tshisekedi. Et je pense que pour l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, il faut qu'il prenne conscience de l'élan de ce président et de son importance pour que nous puissions marcher au même diapason avec lui et faire qu'il puisse réussir. Alors, je veux parler de sa manière de faire la politique. Cette manière de faire la politique de Félix a été, dans le temps, perçue par certains comme une déviation. Ok ? Pour nous qui avons été dans la base, qui avons dit nous allons soutenir Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi, alors que les gens l'accusaient de n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, il y a une différence entre Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. La différence est celle-ci. Le papa, très raisonnable. Et dans sa démarche, c'est l'état de droit, c'est le respect des. Et pas de compromis. Quand il a travaillé sous Kabila le fils, et même sous Kabila le père, ils ne sont pas arrivés à émettre dans la même longueur. Ils se sont pratiquement pas rencontrés. Maintenant, nous voyons le fils venir, et bien, il a rencontré Kabila le fils, et il est au pouvoir aujourd'hui. Alors, dans les discussions avec des frères, on se disait, mais. J'ai entendu des gens dire, mais écoutez, Félix, c'est Joshua. Ok? Parce qu'il vient finaliser la mission de son père, qu'il n'est même pas entré dans la terre promise. Alors moi, je disais, non, il faut faire très attention dans ces comparaisons-là, parce que nous risquons de manquer l'essentiel et comprendre comment nous devons soutenir Félix. Alors nous devons comprendre sa façon de travailler. Alors, dans sa façon de travailler, j'ai découvert ceci. Et qui est un peu public aussi dans l'exemple de Moïse. Vous savez, Moïse, il était radical, ok? Mais qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Dans son radicalisme, il n'a pas réussi à arracher le pouvoir à Pharaon ou à libérer ses frères, n'est-ce pas? Mais voilà, après ses échecs, Moïse trouve un temps d'inspiration. Il rentre, Dieu lui dit, rentre à Pharaon. Va entrer dans sa maison et parle-lui à mon nom, n'est-ce pas? Moïse n'est plus parti avec le radicalisme chez lui. Il est parti avec l'humilité. Et dans l'humilité, il a parlé à Pharaon de dire, vous devez libérer moi. Et tout le monde le sait, cette fois-là, c'était la victoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec Félix. C'est-à-dire,
Félix, au lieu de considérer le pharaon et le symbole du mal, et de le maudire, de rester loin de lui, de dire il faut qu'il soit mort, il faut qu'il soit parti, lui il a engagé de près. Il est entré même dans sa maison. Si nous prenons en symbole, disons que Pharaon c'est Kabila, aujourd'hui nous savons que Moïse, Félix est face à face avec elle. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Et vous voyez même que dans la plupart des actes, les gens qu'on soupçonnait d'être des mauvais, les gens contre lesquels on se méfiait, Félix a fait un effort contre l'attente de la base même d'approcher ces gens. Je vais donner un cas spécifique, le cas par exemple de la machine à bois. Il est avec ses amis de Moïse Katumbi qui était refusé parce que tout le monde ici ne voulait pas de Moïse Katumbi, n'est-ce pas? Mais Félix a approché Moïse Katumbi, il a accepté de l'amener. Vous voyez, il entend bien de vous dire que cette personne ici est mauvaise, mais lui n'en tient pas compte. Il avance parce qu'il a confiance qu'il a une aspiration qui est correcte, qui est juste, qui finira par gagner. Alors, il approche tous ces gens autour de lui, ils font avec l'alliance, comme aujourd'hui il a fait l'alliance avec Kabila, n'est-ce pas? Mais une chose, c'est que nous avons été, je ne sais pas si il y en a beaucoup qui étaient à Johannesburg Hospital quand Félix est venu. Les gens lui ont posé la question dans la salle. Mais pourquoi tu es avec Moïse Katumbi? Et vous allez voir que dans l'attitude de Félix, il dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez créer l'inimitié entre moi et Katumbi? Bon, alors, pour ne pas être trop long, je vais un peu donner une illustration avec rapidement. Pour finir, ne soyons pas méchants comme Moïse à la fin l'avait compris qu'il n'avait pas besoin d'être méchant, même envers moi. Que pour vaincre Pharaon, vous n'avez pas besoin d'être méchant et méfiant. Vous avez besoin d'être bon et vous avez besoin d'avoir confiance en Dieu. Tant que vous savez que ce qui a avancé, même si on dit que celui-ci est mauvais, il est un traître, vous allez. Laissez Dieu le comprendre lui. Les gens de la route se sont confondus, eux-mêmes se sont disqualifiés. Et Félix, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était parti vers eux. Non, on disait non, 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 c'est les moyens sont mauvais. Oh, les moyens sont mauvais. Mais il est parti malgré lui. Aujourd'hui, il est avec Kabila, avec HCC et avec Kamel et tout. Chers frères et sœurs, ce que je vous demande de faire, c'est d'être dans la dimension spirituelle. Et si nous faisons ça, le dernier point c'est la société, donc on ne peut pas. Si nous faisons ça, alors nous allons gagner le peuple congolais et réussir à le mettre ensemble, pour qu'ensemble on puisse jouir, n'est-ce pas, de ce fruit qui est notre pays, qui est vraiment un don de Dieu. Alors, vous venez, je disais, vous avez la société civile à la fin du sud. Nous avons été à Kinshasa pendant un mois de jour, après les premières choses du président. Alors je voulais recommander à la Fédération Afrique du Sud de tenir compte du passé que nous avons connu ici en Afrique du Sud. Et je crois que c'était partout comme ça dans la diaspora. C'est que nos ambassades travaillaient pratiquement pour diviser le peuple. Et nous avons aussi accepté que la méchanceté puisse régner entre nous. Et nous sommes restés en tant que vraiment difficile. Alors je voulais en tout cas interpeller la Fédération pour dire l'UDP s'est battu au pouvoir aujourd'hui. Donc pour aller dans la même dimension que le président Félix Tshisekedi, essayons de faire en sorte que la communauté ou la société civile ou les Congolais en général ne soient plus une communauté civilisée où les gens sont méchants les uns envers les autres. C'est ça la démarche de Félix, c'est-à-dire il ne voit pas la méchanceté dans quelqu'un, il avance. Si le méchant arrive à tomber, donc il est tombé pas par sa propre faute. Vous comprenez? La méfiance, bannissons la méfiance, essayons de mettre des ponts entre nous. J'ai dit, je vous remercie. Viva!
Merci beaucoup, Monsieur Pino, pour l'exposé. C'est tellement profond. Je sais que vous avez formulé les choses, mais la fédération aura tout le temps d'en profiter de cela. Merci beaucoup. Je vais demander à nos enfants si on peut balancer cela. Giuseppe, viva! Viva! Nous avons des gens qui viennent de l'Angleterre et des Chinois, je ne suis pas dans le Chinois. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de joie. Une journée où nous savions même pas que ça allait être bien aujourd'hui au Congo. Parce que tous les sorciers pensaient qu'ils allaient salir notre président aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de voir que l'état de droit est installé au Congo sans qu'il y ait des visions de sang. C'est pourquoi nous appelons la journée d'aujourd'hui le jour de l'indépendance, un jour de joie. C'est pourquoi nous lançons à toutes les sections qui sont les universités en Afrique du Sud afin que nous puissions nous tenir la main dans la main. Pour que nous puissions vaincre le combat auquel nous allons affronter en 2023. Ce sont les deux de nos engagements. Démontrer quelque chose. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonne fête de l'indépendance. Merci. Papa et maman, mes frères et sœurs. Mon nom c'est Kabasto et Junior Obama, Nounou Kassous. On a un cadeau. On a apporté un cadeau, c'est un son de l'indépendance, un son de notre pays, le Congo. On est des artistes, on a qu'à donner la musique, c'est ce qu'on. Okay. Yeah.
Maintenant, donc, il n'y a même pas de doute. Téléphone. Le titre est le fils de la victoire, du victoire. Sign. Oh, le signe de la victoire. So yeah, we chose that song because obviously on the 31st of June. Nous avons choisi la chanson parce que le 30 juin. DRC was celebrating the Independence Day, so we got a victory. Notre pays, le Congo, célèbre leur indépendance. That all we chose the song. C'est pour cela que nous avons choisi la chanson. Et nous allons danser. Thank you. Oh. Thank you.
que Dieu protège Fatih. La photo de mon ami, Zambi Akumba Fatih. To souvenir, independence, to souvenir.